Hey, on se souhaite une petite clé. Hey, mais... saigné du nez, moi, Chris, aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça, t'as saigné du nez random t'as aujourd'hui. T'as saigné du nez. Aujourd'hui, après le meuble IKEA. OK. Je vous remets dedans, là. Moi et ma chaise, j'ai peut-être trop spiné, mais je suis allé prendre une marche. On a l'âge qu'on a, à un moment donné, fait qu'on va prendre des marches le dimanche. Ouais. Moi, quand je dis « on », je dis « moi ». Puis je suis parti dans mon petit quartier de Varennes, puis à un moment donné, à 10 minutes de marche de chez nous, je me mets à saigner du nez. Mais j'ai rien, mais je saigne, là. Une chambre, coulait, là. J'ai la main pleine de sang, les enfants. Là, ils choisissaient cette journée-là pour sortir le bicycle. Puis là, ils me voient de même. Même une. J'ai pogné mon cellulaire pour essayer d'appeler ma blonde. Je coulais sur le cellulaire. Il y a une madame qui a ouvert la porte. Ah, Maxime Martin, des années 90. Ah, oh, oui. La madame? C'est comme. Non, la madame. T'es-tu la madame, c'est Maxime Martin, des années 90. Non, mais la madame qui a ouvert la porte, c'était pour t'aider. Elle ou dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? Elle était courageuse quand même. Quand on dit que le monde de Varennes sont fins. Ouais, sont moi, je vois fin. Un gars qui saigne du nez, c'est un bicyclable. Je pars la porte. Ben oui, c'est ça. Ah oui. Ah oui, non. Puis là, j'avais ma tuque. Je te dis, là, c'était incontrôlable. J'ai pensé pas que je vais prendre ma tuque. Je vais la mettre là, mais je viens de l'acheter. Ouais. C'est une tuque, là, je viens de l'acheter, là. Ouais, t'es mieux de te vider de ton sang que de t'acheter la tuque. Ouais, flambant. Flambant neuve, la tuque. Mais j'y allais, j'étais sur le bord d'y aller avec la tuque, puis là, la madame est arrivée. Je vais on va prendre vos Kleenex, madame. Ouais, puis ouais. J'ai appelé ma blonde, elle est venue me chercher. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est quoi le prénom de la madame? Ah ouais, on s'en calisse, hein? Ben. T'as pas de cœur, là, genre, on la sauve la vie, on t'en calisse, cette femme-là. On va le dire, vieille laide avec des Kleenex. On m'a déporté une boîte. Là. Mais chez Costco, moi, il a amené 8 oui, boîtes. Oui, il a amené 8 boîtes. Mais, oui, semaine. Arrivez ça, le cauchemar du sang. Ouais. Jusqu'à. Fais-le tellement souvent qu'elle va se dire il s'est-tu fait saigner juste pour me rencontrer? Oui. Ouais. Ah ouais. Faut qu'on devient des estis de bons amis. Là. Mais ça. Vas-tu encore voir ta madame Kleenex? Oui, elle me fait du bien. Fait que ta blonde a été obligée de t'aller te chercher. Oui. Elle a dit à tes enfants, hey, papa, il saigne. Je vais aller. Papa, il saigne de sa piscine. À ma fille, mais mon gars n'était pas là, mais elle était obligée de dire, je vais papa, il saigne du nez. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'air était trop sec pour ton nez ou. Ça, c'est la défaite des années 90. Mais. mais non, je sais pas ce qui s'est passé. Ça t'arrive souvent de saigner du nez? Quand je suis bien fatigué. OK. Ouais. OK. Genre que ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. Ah. Je saigne du nez. Okay. Quand je suis fatigué.